Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. La justice élève une nation, dit-on. On ne peut pas parler de l'émergence, on ne peut pas réfléchir en termes de développement d'un pays sans toutefois avoir une justice forte, une justice efficace, une justice qui sait remettre chacun dans ses droits. C'est dans cette optique que Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiese, a effectué une descente surprise au parquet des grandes instances de Kinshasa-Kalamu. Et sur place, Madame la ministre a échangé avec les responsables de ces parquets. Et vous allez voir à travers les images les déroulements, disons, les discussions entre les deux parties. Et Madame la ministre, au sortir de cette visite, a fait un constat très amer. Selon lui, il y a des dossiers qui sont encore bloqués au niveau de la justice, d'où il faut donner du tonus au fonctionnement de notre appareil judiciaire. Bienvenue mesdames et messieurs à ce plateau spécial, comme vous l'avez déjà compris, dédié à cette activité de Madame la ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiese. Alors sans plus tarder, je vous laisse suivre ce qui a été sa descente au parquet des grandes instances de Kinshasa-Kalamu et on se retrouve tout juste après. De descendre pour être représentant chargé. Et ces cas sont récurrents. Des fois, c'est le tribunal qui ne se présente pas. On évolue en attendant. C'est toujours la. Est-ce à la fin, il y a quand même la suite. Rien n'est renseigné dans le registre. Là, c'est qui? Excusez-moi, pas tout le monde.
Le constat est amer puisqu'on a réellement constaté les dysfonctionnements entre les réalités qui sont faites au niveau de la prison de Makala et les réalités dans les registres de magistrats. Effectivement, ça fait 3 mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes qui sont retenues là-bas. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détention irrégulière et il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en ces jours de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Et qu'un travail profond sera fait et j'en ai profité pour les magistrats qui n'ont pas bien tenu leurs registres, qui n'ont rien renseigné dans les registres et qui n'ont pas renseigné la situation des détenus à la prison pour que cela soit sanctionné. Et j'attends la suite de la part du procureur. Côté déjà. Pour ce plateau spécial qu'on a consacré comme ça à cette activité de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui s'est rendue au parquet de grande instance de Kinshasa-Karamu pour s'enquérir du fonctionnement de la justice congolaise. Merci Yaba Jombou qui était derrière la caméra pour vous proposer ces belles images. A toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.